Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de toucher un adversaire 4 fois d'affilée avec le fusil d'assaillant à rafale sans quitter le viseur. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire tout d'abord c'est déjà trouver un fusil d'assaillant à rafale, donc c'est celle-ci. Donc quand vous allez la récupérer, c'est le fusil qui tire 3 balles par 3 balles. Même 2 balles par 2 balles, je sais pas, attendez, 1, 2, ouais 2 balles par 2 balles. Elle tire 2 balles par 2 balles. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est viser et toucher 4 fois un adversaire sans quitter le viseur. Si vous quittez le viseur, ça ne fonctionnera pas. Donc vous trouvez un adversaire, voilà, hop. Et là, ce que vous allez faire, c'est le toucher une fois. Là, je l'ai touché 2 fois. Là, comme ma balle, elle l'a touché 2 fois, ça compte double. Parce que j'ai touché les 2 balles. Ensuite, vous le retouchez 2 fois. Et là, normalement, ça validera le défi. Si, quand vous touchez 2 fois l'adversaire avec votre fusil à rafale, si la rafale compte pour une fois, ce que vous faites, c'est que vous essayez de toucher qu'une seule fois, qu'une seule balle. Donc vous tirez. Voilà, là, j'ai touché une fois. Je lâche pas le viseur. Touché 2 fois. 3 fois. Ah ouais, mais non, là, ça craint parce que j'ai dû recharger. Parce que là, comme j'ai dû recharger, bah j'ai pas lâché la touche visée, donc je sais pas si ça comptabilisera, mais voilà. Si normalement, de toute façon, le fusil à rafale, ça, si vous touchez les 2 balles avec votre rafale, c'est compris pour une double touche. Donc logiquement, ça devrait le faire. Mais si vraiment ça fonctionne pas, ça compliquera le défi et il faudra faire en sorte de toucher une fois l'adversaire avec une seule balle. Donc mettez l'adversaire devant vous et puis tirer sur une balle, enfin essayer de le toucher qu'une seule fois avec une balle, ensuite une deuxième fois, troisième fois et une quatrième fois. Mais normalement je pense que c'est pas si compliqué que ça. Je pense que quand vous tirez 2 fois une balle, enfin une rafale, ça le touche 2 fois, bah, normalement ça devrait être bon parce que ça tire 2 balles. Donc vous le faites 2 fois, ça fait 4 balles, logiquement ça devrait valider le défi. Et je pense qu'il faut le faire sur un adversaire parce qu'il est bien précisé, toucher un adversaire 4 fois d'affilée. Donc je pense qu'on peut pas le faire avec 2 adversaires. Donc si vous avez 2 adversaires, vous tirez sur un puis sur l'autre, ça ne fonctionnera pas. Et faites très attention de ne pas recharger, parce que si vous rechargez, ça quitte la visée et je pense que ça annule le défi aussi. Après vous avez quand même pas mal de balles, donc ça devrait le faire assez facilement. Donc voilà, quand vous aurez touché 4 fois d'affilée un adversaire sans quitter votre viseur laser avec le fusil d'assaillant, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.